Bien, salut à toutes et à tous, c'est Angmer. Aujourd'hui, on se retrouve sur Hearthstone. Donc, Hearthstone, qu'est-ce que c'est? C'est des jeux de cartes de folie avec des decks de ouf, avec des héros de ouf. Donc, je vais jouer avec mon deck voleur parce que je suis nouveau sur le game et je l'ai eu hier. Mon deck voleur. Donc, alors ça c'est très bien. On va prendre le deck voleur. Hop, et on va jouer. Affronter de vrais joueurs vous fait gagner davantage d'expérience. Donc on va attaquer quelqu'un qui est online. Peut-être que je ferai plusieurs épisodes, une genre de petite série sur Hearthstone, c'est pas trop mal. J'espère que vous apprécierez mon niveau de merde. Pardon pour l'expression. Mais vraiment un niveau assez nul. Contre Garrosh. On joue contre Garrosh. La victoire ou la mort. Soyez alors, sur vos gardes. on va enlever celle-là. On va enlever celle-là. Ok, bah c'est pas trop mal, la main de départ. La main de départ n'est pas trop mal, on va jouer. Trop bon dégâts au héros adverse. On va prendre ça. Voilà. On va pas jouer le cristal, ça ne sert strictement à rien du tout. H de guerre, ah, H de guerre embrasé. Ah. Ça fait mal ça, il peut l'utiliser que deux fois, mais ça fait très très mal. Alors je vais pas attaquer tout simplement parce que j'ai plus de 2 d'attaque avec mon arme, donc je vais pas attaquer maintenant. Bon, ce que je peux faire, ça va, je vais faire ça. Voilà. Je rends la monnaie de sa pièce. On va voir si je gagne ou si je gagne pas. On va voir ce qu'il joue. Ça va faire 2 points d'armure. Ah, il a 27. Aïe. Tu fais mal. Tu fais plutôt mal. C'est quoi ça? Provocation. Ouais, t'as une provocation de 1. On va défoncer. Et j'en remets une couche. Et je peux pas attaquer ça. Et j'ai quand même remis une couche, comme ça je l'aurai pour le prochain tour. Pour le chef de guerre. Et la charge. Et la charge, mon main. Alors, c'est quoi ça? Renvoie un serviteur allié dans votre main. Il coûte 2 cristaux de moins. Provocation. On va mettre provocation. On va mettre ça. Allons-y. Voilà. J'espère que ça lui fera du bien. Tatalatalam. Tatatatalatalam. Je te prends des gars au serviteur, aléatoire. Aïe aïe. Ça fait mal. Ah, oh, il va mettre 6 de dégâts dans la face. Aïe 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 aïe. Boum. Alors, le commandant d'argent. Ok. Non, je m'enlève 4 de dégâts, ça sert à rien. On va lui mettre ça. On va lui mettre serviteur. Ce que je peux faire, c'est le faire revenir. Ça, je me suis donné 2 points de vie et je le fais revenir. Et ouais, c'est toute une technique, hein. Oh là là, 6, 7, 8, 10, 12. Ah, il peut pas attaquer avec celui-là. Aïe, aïe, aïe. Il fait quoi lui? Pendant ce tour. Commandant d'argent. Pour le Norfondre. Donc lui, on l'attaque une fois. La victoire ou la mort. Lui, il fait mal.
Ah, j'ai reçu aucun dégât, bah oui, attends, je veux qu'on en d'argent ou pas? Lui, il était plus fort là, au niveau point de vie. Oh, mais non! Frappe héroïque. Point de dégâts pour l'instant. Je suis mort. Ah. GG. Oh, c'est très mal joué. Mais bon, je suis un débutant. C'est pas trop grave. Lame d'assassin. Oh, génial. Ah, ça, je vais mettre tout de suite dans le deck. Moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour un prochain combat. Peut-être face à Xenox. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Kiss tout le monde. C'était le gamer sur Hearthstone. Ça change. Allez, bisous tout le monde.